âge a été blessé, mais très 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 léger. Vincent, le fils. Le fils de François ? Oui. Il est blessé, mais il a dit très petit. Jacob Duplain. Jacob est décédé aussi. Jacob. Qui était enseignant. Il est parti d'accord. La femme beurre. Qui s'occupait des. Au moment de son geste, il n'a pas parlé du tout, il s'est levé en silence, il a tué en silence. Lorsque les élus l'ont ceinturé, il a dit tuez-moi, tuez-moi. Et c'est tout. En interne, dans les services, c'est comment, est-ce que la mairie est fermée? Oui, alors... Les constatations faites et les témoignages recueillis démontrent que cet individu a entrepris cette nuit d'essayer de tuer la totalité des personnes présentes dans la salle. Il était d'ailleurs suffisamment armé pour y arriver. Et à 1h15 du matin, lorsque Madame le maire a clos le débat, qu'elle nous a annoncé la fin de ce conseil municipal, aussitôt, un homme situé derrière les élus, s'est levé. Il était le seul dans le public et il a tiré devant lui, donc à 2 mètres, sur M. Steinberg, président des Verts. Et ensuite, eh bien, il s'est déplacé sur sa gauche et a fait feu sur tous les élus, un par un. Nous disons que c'est une personne qui était extrêmement rentrée, qui manifestement a fini par exploser, mais dans son comportement que j'ai pu le voir, il était au contraire très, très calme, il était observateur de sa vie. Et c'est peut-être ce contraste entre ce côté observateur, cette explosion qui peut amener à de telles extrémités. C'est quand même, ils doivent savoir, ces petits gamins, quand même, ce que c'est que de tirer sur toi.